Mon territoire foisonne de belles énergies. C'est pourquoi, entre chaque rencontre de porteurs de projets ou portraits d'artistes, je publie sur Esperluette ces interviews plus courtes pour mettre en avant un nouveau lieu, un nouveau concept installé dans le Vaucluse. Aujourd'hui, direction Carpentras, en face du parking des Platanes, pour découvrir My Campus Réussite. Un espace de travail qui a la bonne idée d'accueillir à la fois les jeunes en recherche de soutien scolaire et les professionnels à la recherche d'un bureau pour travailler. Un mix des générations qui a pour objectif de créer des rencontres, du lien dans le centre-ville de Carpentras, entre étudiants et professionnels, et pourquoi pas créer des opportunités de job pour les plus jeunes. Bonne écoute! Je suis Laetitia Béal, je suis une carpentracienne et ça fait donc 15 ans que j'ai monté le centre de soutien scolaire qui s'appelait à l'origine Pédagogia et qui s'appelle maintenant My Campus. Je suis une maman aussi d'adolescents et j'adore ma ville, j'adore aussi aider les jeunes et aider les gens de façon générale à réussir. En fait, j'ai créé ce que j'aurais aimé trouver lorsque j'ai fait mes études. Alors My Campus est une structure qui a en fait une double activité dans le sens où on reçoit les jeunes scolarisés pour les aider à réussir sur un plan scolaire. On ne les aide pas que sur les matières, mais on les aide aussi sur la méthodologie, sur l'organisation, sur la confiance en soi, la motivation. On les aide aussi à trouver leur voie professionnelle à travers des bilans d'orientation. Mais au-delà de ça, on les aide aussi à rencontrer des entrepreneurs, donc à trouver des stages, à trouver des jobs d'été pour les aider à s'insérer dans la vie active et professionnelle. Et c'est aussi un espace de coworking puisque le but c'était d'accueillir les entreprises qui seraient ouvertes au fait de pouvoir rencontrer et recruter des jeunes. Donc les entrepreneurs peuvent aussi venir, on a même des grands-mères qui viennent, que l'on aide aussi à comprendre leur tablette ou leur téléphone portable, voilà, et ça peut concerner tout le monde le coworking. Ça peut concerner les entreprises, mais ça peut aussi concerner des particuliers qui ont envie de passer un petit moment. L'important, c'est de faire du réseau, c'est de créer du lien. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'à travers nos outils numériques, on réseaute et on crée une relation. C'est souvent une relation qui est un petit peu, on va dire, truquée ou superficielle. Alors que là, on est vraiment dans l'humain. Voilà. Donc, on est dans la relation avec le jeune, on est dans la relation avec les entrepreneurs. Et de ce fait, ça permet de créer de la relation entre les jeunes et les entrepreneurs ou les personnes qui viennent en coworking. En fait, moi, j'ai fait une classe préparatoire après mon bac. Et c'est vrai que le rythme de la classe préparatoire est assez intense, avec beaucoup d'heures de cours. Et ni au collège, ni au lycée, on ne m'a expliqué comment travailler. Alors, jusqu'au lycée, jusqu'au bac, ça va, on s'en sort toujours, on s'organise. Mais lorsqu'on est en classe prépa, on est complètement noyé, perdu. On ne sait pas par quel bout prendre le travail. C'est un peu comme quand on rentre en médecine. Alors, il existe les écuries pour médecine, mais il n'existe rien d'autre pour tout le reste. Donc moi, j'aurais aimé trouver comme ça un lieu, une étude où on m'apprenne à m'organiser, où on m'apprenne à gérer mes priorités de travail, où on m'apprenne la méthode pour travailler au mieux, pour apprendre, pour mémoriser, pour restituer, voilà. Et puis aussi, trouver un endroit où on me dise comment je fonctionne, qui je suis, quel type d'intelligence j'ai, etc. Ça m'aurait permis de mieux me connaître, d'avoir peut-être plus confiance en moi et d'avancer peut-être mieux, voilà. Donc en fait, c'est pour cette raison-là que j'ai créé ce centre-là, voilà. On est là pour leur expliquer ce qu'ils doivent faire, les guider, mais on ne leur donne pas la réponse, voilà. Et on ne reste pas toujours à côté d'eux pour qu'eux soient acteurs et responsables de leur travail. Ça, c'est très très important. Comme je leur dis souvent, je ne vais pas pêcher à ta place pour que tu manges du poisson, donc je vais pas te donner un poisson, mais je vais t'apprendre à pêcher. Comme ça, même quand je serai pas à côté de toi, tu pourras retrouver les mêmes processus d'apprentissage et tu pourras être fier de toi. Donc dans ce lieu, on trouve des espaces de travail avec des tables individuelles. On peut s'installer vraiment où on le souhaite. On peut trouver aussi des salles de réunion, des salles de formation, tout équipées.
On a la Wi-Fi qui est à disposition. On trouve aussi une cuisine, c'est une photocopieuse couleur et noir et blanc, une machine à boissons chaudes, des viennoiseries et des jus de fruits à volonté, des bonbons à volonté pour les gourmands. Et puis, tout ce qui est fourniture scolaire, c'est-à-dire que les enfants, même s'ils oublient leurs feuilles, leurs calculatrices, etc., tout est fourni. Le but, en fait, c'était qu'on puisse trouver, à la fois pour les jeunes, mais aussi pour les entrepreneurs qui viennent nous voir, un cadre de travail le plus abouti possible, voilà, pour travailler dans les meilleures conditions possibles. Ça, c'est notre objectif, parce que si déjà on part sur un cadre de travail agréable, on peut donner le maximum de soi. Au niveau des jeunes, l'accompagnement se fait à partir de 12 euros de l'heure, et ça va jusqu'à 25 euros de l'heure à peu près, en fonction de la formule choisie. On peut même récupérer les enfants à la sortie de Marie-Pilat le soir, pour descendre, les faire goûter, parce qu'on leur offre le goûter. Et ensuite, faire faire les devoirs. Comme ça, quand les parents les récupèrent le soir, tout est fait, on n'a plus le souci des devoirs. Par rapport aux entrepreneurs, on est sur une formule en illimité à 150 euros par mois, tout compris aussi. Nos locaux sont climatisés, chauffés, etc. On est vraiment dans le fait d'avoir un cadre de travail très agréable. Et après, pour les personnes qui veulent venir juste à l'heure, on démarre sur des forfaits à 10 euros de l'heure. La salle de réunion, on peut la louer à la journée. Là, on la loue à partir de 150 euros la journée, ou si c'est juste pour quelques heures, 30 euros de l'heure. Et elle peut accueillir jusqu'à 15 personnes, et on a du coup deux salles de réunion. Et pour les entrepreneurs, c'est bien parce que ils peuvent travailler de façon optimum, efficace, avec tous les outils nécessaires. On a un grand écran dans la salle de formation qui est connecté pour faire des conférences, des vidéos, projections. Mais aussi avec ce cadre très zen, avec le mélange du fer, du bois, du blanc, de la pureté, de la lumière, beaucoup, beaucoup de lumière. Ça, c'était important aussi. C'était important aussi pour moi d'avoir un centre de coworking humain. Il y a toujours quelqu'un. Voilà, nous, on est là tous les matins tôt, on reste tard. Mais ça permet aux entrepreneurs qui viennent d'avoir un véritable accueil. De plus, on met vraiment les gens en relation. Nos coworkers maintenant travaillent ensemble, ils se font travailler les uns les autres pour certains. On organise aussi des events assez régulièrement. On va dire qu'à peu près tous les mois, on a un événement. Donc voilà, on essaie vraiment de mobiliser toutes les bonnes volontés carpentraciennes, même au-delà de Carpentras, mais effectivement de faire en sorte que la ville bouge, que la ville puisse véhiculer une image dynamique, revaloriser l'image de la ville, ça c'est important parce que on le fait pas que sur un plan personnel, on le fait aussi pour que ça profite à un maximum de monde, à la fois pour les jeunes qui doivent se sentir bien dans leur ville, pour les entreprises aussi, pour les concitoyens et pour la ville en elle-même qui est une entité. Donc, on est situé au 348 avenue Jean Jaurès, donc au parking des Platanes. On est ouvert tous les jours de 9h à 19h non-stop, ainsi que le samedi matin de 9h à midi. Le numéro de téléphone, le 06 63 59 96 93. Et au niveau du site internet, on peut nous trouver sur soutien-scolaire-carpentras.fr. Ou la page Facebook My Campus Réussite aussi. Alors si j'ai un conseil à donner, autant aux jeunes qu'aux entrepreneurs, si vous voulez réussir, soyez surtout vous-même. Respectez-vous, trouvez qui vous êtes, ce qui vous fait vibrer, et vous serez vraiment là où vous devez être, et vous avancerez vers votre voie et vers votre réussite. Esperluette. Esperluette.